un collègue. C'est en train de battre à gauche. Bientôt au champ de Colza, du coup il nous reste à parcourir ce petit chemin et puis c'est bon. Ce petit chemin de terre, et ils sont juste là-bas en train de battre. On va déchaumer du coup juste derrière eux. Nous voilà arrivés au champ. Bon bah voilà, on va commencer à déchaumer. Tac, ça va être un peu plus agréable pour celui qui moissonne, parce que là ça doit secouer la machine. Hop. Le rouleau au max. Tac, ok. On va baisser ça pour que ça gratte. Hop. Il y a du trou là. Je vais repasser un coup.
En mettant pas dans les roues de traitement, avoir juste un petit décalage. Voilà, ce sera déjà un peu mieux pour les bennes et puis pour la moisse batte. Là, ils vont vider. Bon bah voilà, moi je vais déchaumer, puis je vous tiens au courant sur l'avancement du champ. Bon alors là il est 17h10 environ, et donc là ils ont fini de moissonner, moi j'en suis on va dire à la moitié, donc il me reste un petit peu de travail quand même. Donc voilà, il reste une petite rangée pour la moissonneuse, et après normalement ils vont attaquer les blés, il me semble. Pour l'équipe, là je suis en train de faire le tour du champ, donc j'ai bientôt fini, et il est 19h33, donc ça m'a pris un peu de temps quand même. Et après donc je rejoins les collègues qui moissonnaient, ils sont partis dans un champ de blé il me semble, normalement.
là on a une branche, il faudra ramener la tronçonneuse. Parce que là il est assez coriace. Je suis obligé de faire le tour. Quoi que ça va au final, le cover crop il est bien passé en dessous. Bon bah la parcelle est terminée, on va juste faire un petit tour du matériel. Ok, les rouleaux ça va, puis là on va filer au champ de blé du coup, rejoindre les collègues. Bon là il y a eu pas mal de poussière. Tac tac tac. Ok, on est bon. Je vais remettre les sièges, hop, propre. Je le remets droit, tac. Et Giro. Ok, c'est parti. Bon bah là on est arrivé au champ, juste en face là c'est le champ de blé du coup. Et du coup on va rattaquer ça. Ils ont bien détouré, hop hop, ouais, ils ont bien détouré, ils vont sûrement attaquer les... les ranger tout simplement. Thank you.
Bon bah là j'ai déjà fait le tour et comme on garde la paille, mon travail va s'arrêter ici. Je vais rejoindre le conducteur de la benne parce que voilà, hein, je vais pas tout simplement déchaumer les andins. Et donc il est 21h40, donc on va voir jusqu'à quelle heure on tourne ce soir. Voilà, voilà. En tout cas, très bon rendement de blé. Et une paille superbe aussi. Bon, bah l'équipe, on a terminé à 22h au final. On avait plus de fuel dans la machine, donc voilà pour aujourd'hui.